Dans minute que n'a parlé là, officiellement Gary Conny pas chef encore. Bagay qui vient créer gros panique en international là. Américains yo fâché après que conseil présidentiel a pris résolution yo révoqué PM Gary Conny. Conseil présidentiel là qui a présidé par famille Lavalas, Leslie Voltaire qui c'est représentant famille Lavalas et bien depuis après que Leslie Voltaire prend tête conseil là, eh bien Leslie Voltaire qui était déjà averti à Gary Conny que il y a tête qui pral couper, eh bien Leslie Voltaire prend tête conseil là et li pote aller Gary Conny. Il baye Gary Conny une chance pour te sauver Paul, mais Gary Conny t'a fait résistance dans plusieurs réunions que yo t'a fait, yo t'a demandé Gary Conny pour que li te baye pour te livrer ministère régalien yo qui revient à la présidence, ministère intérieur, ministère de la justice, ministère affaires étrangères, planification et économie qui revient avec la présidence. Et bien Gary Conny t'a fait résistance, et bien monsieur yo prend résolution côté que gagné 8 ans sur 9 qui signe résolution ça, yo révoqué Gary Conny des fonctions li en tant que premier ministre zanmi nou yo. Donc américain yo fâché côté que yo déjà passé instruction avec un CARICOM. Donc nous voyons que gagnent journal la Tripfoumi, donc info qui publié article ça et qui dit que face avec crise politique prolongée en États-Unis, mais récemment là yo mandé pour yo créer conseil présidentiel. Donc dissolution conseil présidentiel de transition pour atténuer donc la tension qui paralyse institution dans pays. Eh bien exigence ça li vini après décision controversée conseil présidentiel là qui destitué premier ministre Gary Conny. Yon mesure qui approuvé quasi unanimement par membre conseil zaminoyo. Eh bien, crise là, li vin pran yon l'autre tournure. Côté que américain yo parlé là avec monsieur dame nan CARICOM. Donc pour que yo résout la crise là, c'est éliminer conseil présidentiel ça. Donc c'est aller nan cour de cassation donc pour que yo remplacer donc un conseil là. Donc ça c'est journal Tripfoumi Info qui publié et gagné journaliste Gary Pierre-Paul Charles qui te fait un tweet en sous ça. Donc nous partager avec opposition américaine au moment que nous avons parlé là. Pierre capital là secoué côté que conseil présidentiel là te gagné résolution ça qui était en attente dans presse nationale. Eh bien presse là il publié résolution que Gary Conny officiellement là il pas premier ministre encore. Donc Gary Conny était à le tenter pour que il bloqué publication document côté que il était écrit une lettre à directeur presse nationale là, il était fait référence avec article 2 dans décret qui porte création conseil là. Donc côté que li parle, donc si gagnon membre que la justice a poursuivre tout ça, li doit quitter conseil là, li fait référence avec trois conseillers présidentiels qui signent résolution hein, donc qui inculpé par rapport ULCC. Donc nous rappelons nous gagnon Maître Benagous qui était parlé avec un métronome pour dire que signati trois monsieur Sayo pas valide. Il était toujours fait référence avec article 2 dans décret qui portait à création conseil présidentiel. Eh bien Leslie Voltaire nous connaît, il était clair sur décision. Leslie Voltaire te baï Gary Conny une chance pour que il te sauver pour lui dans plusieurs réunions fait avec Gary Conny, mais Gary Conny pas de vle. Gary Conny pas de vle tande la raison. Donc Gary Conny qui pas de vle perdre peut-être Dominique Dupuis, nous connaît qui c'est ministre affaires étrangères là.
ou bien tout le pas voulait perdre donc un ministre des finances là donc Garigoni donc a dit selon article donc selon comment pour sa fête selon normio mais comment pour que yo fait remaniement ministériel là si yo fait remaniement ministériel donc 700 000 moun qui déplacé yo 5.5 et millions haïtiens qui nan yon et situation donc humanitaire qui grave donc situation pral plus compliqué et bien conseil présidentiel là pas trouvé que c'est révoqué parce que Garikoni pas le faire remaniement ministériel là. Mais les Voltaire nous connaît qui sorti dans famille Lavalas de ancien président Jean-Bertrand Aristide Garikoni selon information qui c'est un ancien PHTK donc Lavalas a pas marché avec PHTK li passé sous Garikoni. Mais Garikoni gagné et deux racines là li kembe nan men. Garikoni pa vle aller comme ça. Garikoni gagne deux racines que li kembe pendant que Lavalas la passé avec li pour aller jeter l'an la mer. Garikoni brandi constitution hein. Garikoni joine racine de décret qui pote la création conseil là. Li parle de accord 3 avril là donc li mandé faut que accord 3 avril là respecté zami famille nou yo donc nous va regarder qui ça que Garikoni li même ni dit donc dans lettre li li parle avec nation hein? Donc li dit que c'est et yon on tentative pour déstabiliser pays hein? Et donc ouais zami famille nou yo après que nèg yo prend résolution ça département d'état américain fâché et tout gagné monsieur vivant sans mio qui annoncé pays lock gagné trois gros têtes là nan vive ensemble qui parler zanmi famille nou yo ka cité barbecue nou ka cité l'amour sans jour de 400 marozo et nou ka cité Jeff Gaulois et bien monsieur sa yo même donc yo parler avec moun zon yo pour pas passer nan bloc sa yo parce que nèg vive ensemble pral mete pied wate. N'a rappelé nous qui ça que nèg vivant ensemble t'ai fait. Donc j'étais metté Gary, j'étais metté Ariel Henry. Donc metté le déyo, j'étais empêché Ariel rentrer dans pays hein. Donc qui t'ai forcé que Ariel prend route sortie. Donc monsieur t'ai venu avec la solution ça, conseil présidentiel que t'a pas réuni tout parti politique yo. Donc tout et crème pensante dans pays hein. Donc selon et ça que vous t'ai pensé. Donc c'est ça qui vini avec conseil présidentiel là. Mais il y a un pile observateur qui te croit que conseil présidentiel ça pas ta bay résultat parce que nous essayons déjà mais il pas porté résultat. Nous essayons plusieurs fois. Il pas jamais bay résultat et il toujours rasé. Mais aller dans cour de cassation, il ba nous résultat déjà. Madame Eta Pascal Touyo, qui a fait élection, qui dit bah nous jamais être Aristide. Nous avons fait Boniface Alexandre avec Gérald Latortue. Monsieur a fait élection. Et tout, nous avons gagné Jocelyn Brivère, qui a fait en transition 2 ans tout, après Michel Matéli, donc qui est venu bah nous Jovenel Moïse. Donc, zami famille Anoué Lakayo. Conseil présidentiel donc les chita sur une chaise injectable parce que nèg vivant sans mio donc annoncer que il pral lock pays donc nous que ça monsieur a fait donc est-ce que force multinationale là froid ça avec police nationale donc avec l'armée d'Haïti a ka campé donc un volume de frappe monsieur yo a ka campé devant monsieur yo a ka mettre barricade pour monsieur yo pas passer est-ce que y a ka repousser nèg sa yo donc son bagage que on a prêté suivre pour zanmi famille nou yo mais Garikoni monsieur dit li campé dans l'irrité avec poste li li dit la bataille pour que donc bagay sa pas passé. Mais faut que nous disions, selon dernière information qui tombait, eh bien, Didier Fizeme,
que qui remplace Gary Conille, il a déjà augmenté sécurité. C'est-à-dire que il y a policiers, il y a agents PNH, il y a soldats FADH qui déjà renforcé sécurité Didier Fizeme qui est nouveau premier ministre en pays. Selon sa information partagée, t'as fait connaître que c'est Reginald Calix. C'est lui-même que Alix Didier Fizeme désigné pour occuper des passations de pouvoir là. Donc nous te vivons ça dans pays déjà côté que nous te gagné deux présidents, nous te gagné Gérard Gog, nous te gagné Jean-Bertrand Aristide. Donc nous vinn vivre un conseil présidentiel avec neuf têtes. Eh bien Gary Conille qui pas voulait quitter poste li. Donc nous a dit nous gagné deux premiers ministres. Mais officiellement c'est un premier ministre parce que révocation Gary Conille publiée dans le journal Le Moniteur. Donc c'est une résolution que le conseil présidentiel l'a pris entre eux. Donc, malgré que faut me dire nous ça, malgré que il pas dans attribution conseil présidentiel là pour que les révoquer premier ministre. Ah ben c'est là que Gary Conille lui-même li kembe de branche sa yo, li rale constitution, li rale akwa 3 avril la, la pmande pou respecte pou ke gen yon bon yon mon kontre transition. Bien gade ki sa ke Gary Conille di nan not li. Eh bien, Gary Conille di ke se yon abi de pouvoir, donc an se yon forfaiture qui portait pour atteindre donc un principe fondamental yo nan démocratie haïtienne nan zanmi fami nou yo. Il dit que bien que le conseil présidentiel li gen prérogative pour li nommer premier ministre lan, pa gen un texte légal qui bay premier ministre lan pouvoir pour li renvoyer. Pa gen un texte légal qui bay conseil présidentiel là pouvoir pour renvoyer premier ministre là. Accord 3 avril là et puis décret 27 mai 2024 là qui cadre transition hein, qui définit clairement procédure gouvernance là mais qui pas permettre nan aucune manière que conseil présidentiel là li mette fin unilatéralement à fonction premier ministre là. Premier ministre là, li cité article 37 dans décret ça. Il organisation et fonctionnement conseil présidentiel là, li très explicite. Li très explicite en cas de déficit de gouvernance documenté présenté par l'organe de contrôle de action gouvernementale qui c'est OCAG, conseil présidentiel transition en cas mettre fin dans fonction premier ministre par présentation démission pendant ce temps. Donc décision CPT li prend en dehors de cadre ça, eh bien li constitue un abus de pouvoir de qui ont fait feature qui portait pour que yo atteigne à principe fondamental de démocratie zaminou yo. Gary Conille continue pour le dire dans lettre li hein que n'a partagé avec que li adressé avec nous. Donc n'a regardé qui ça que il dit. Eh bien premier ministre là li dit li rappeler membre conseil présidentiel pour que yo mette en place pour yo approuver OCAG, donc qui c'est institution de contrôle de l'action gouvernementale, mandé que pour mettre institution ça sous pied. Donc selon lui-même, c'est seul moyen pour nous sortir dans crise ça. À 3 avril 2024 là, qui reposait principe dialogue de concertation et responsabilité qui partagé yo, les considérer résolution CPT1, c'est une tentative de déstabilisation institutionnelle. Donc qui affaiblit encore une fois pays qui compromet gravement
donc en chance pour que nous surmonter crise là. N'a traversé dans moi n'a parlé là. Donc en crise qui est très profond et puis qui a une urgence extrême. Il déclarait que gang yo qui contrôlait une grande partie dans capitale c'est une insécurité généralisée qui a frappé population, une crise alimentaire qui touchait durement moun ki plus vulnérable et puis milliers de familles qui déplacées. On parlait de 700 000 que nous songeait que rapport et bureau des Nations Unies était publié dernièrement là. En tant que premier ministre Kairo ni toujours parlé, c'est le pas qu'on nan question résolution que vous mettez que le pas premier ministre encore. Mais elle dit en tant que premier ministre, en tant que avant tout citoyen, donc Kairo ni il a affirmé que il prend voie de responsabilité, il prend pour défendre l'égalité et puis contester toute action illégale motivée par intérêt politique qui étroit, qui seulement cap ajouter en bien avec souffrance peuple haïtien. Garek on dit en tant que premier ministre, il choisit patriotisme, il pas répondre à situation de division ça, mais plutôt la prend voie de responsabilité. Il était attentif avec secteur politique et sociaux selon accord 3 avril qui gagne légitimité pour guider transition avec eux-mêmes, il prêt pour les poursuivre combat stabilité pays. Ou le défendre l'égalité et puis contester action illégale qui motivée par intérêt politique qui pitié qui pral ajouter à souffrance peuple haïtien. Il y a les compte en direction à la fois constitution côté texte dans période de transition yo. Donc article 158 là dans constitution pays il dit que premier ministre là est responsable devant parlement. Et c'est celle démission ou une motion de censure parlement qui est capable d'entraîner donc en fin fonction li. Dans aucun cas conseil présidentiel là même dans cadre de fonction de transitoire là li pas capable c'est-à-dire prendre rôle parlement ou bien jouer rôle parlement pour lui exercer un pouvoir qui pas attribué à elle. Mais Garry Conny dit que lui même est là pour la paix, pour stabilité pays hein. Donc il soutenait tout effort qui visait pour restaurer la paix, hein, pour assurer gouvernance démocratique là et transparence inclusif. Zami famille nou yo, donc c'est ça que Garry Conny dit dans lettre ça que wap gade nan minute wap gade vidéo ça. Donc c'est position Garry Conny qui pari pour le bataille parce que Garry Conny et dit dans lettre là lui-même c'est une tentative pour qu'il déstabilise pays hein. Donc c'est un intérêt politique. Donc il derrière ça. Donc monsieur pas gagné aucun pouvoir selon accord 3 avril et selon article 157 de la constitution monsieur pas ka jouer rôle parlement monsieur pas ka jouer rôle parlement pour révoquer premier ministre. Donc Garry Conny dit que c'est campé goumelier. Donc Garry Conny campé en mode G9 en mode vivre ensemble genre que barbecue toujours dit c'est campé goumelier tonton parce que nous voyons que monsieur ça yo même bon côté pa yo ou va mettre yo mettre pied à terre là à partir de jodi hein. Yo dit que pipirite pas voler dans zone yo parce que yo va le passer à l'action. Monsieur yo dit que yo pas accepter 9 volets c'est nous pour répéter parole barbecue 9 volets surtout qu'il y a 3 là-dedans yo qui impliqué dans un scandale de corruption. Donc yo t'a gardé yo pour ouais qui ça va t'a faire. Mais on vient voir que c'est pi mal, que Bayern la vient pi mal. Donc qui dans scandale par scandale, yo prend un premier ministre, on côté que la bin avec lui Didier. Nous rappeler n'abdo que Didier lui-même c'est
premier ministre que secteur privé a lui-même dévoyé. Ça fait Didier lui-même pas de passer, c'est international là qui a eu une pression côté que l'ambassade américaine a fait un tweet, il a demandé monsieur pour que vous fassiez avec transparence et bien il était venu renvoyer. Donc vote que vous avez fait et bien nous devine ouais non après réunion que vous devine fait vous avez voté Gary Conille à l'unanimité. Donc c'est Laurent Saint-Cyr qui part là qui va voter Gary Conille et bientôt dans destitution Gary Conille là et bien c'est Égal Blanc fils qui va voter. Donc Gary Conille un moment il parle encore non rappelez-vous que décision Gary Conille là il y a deux bases. C'est ça qui s'est passé dans 79e Assemblée générale avec un scandale de corruption BNC. Et bien il y a juge Vertiler et monsieur dit comme ça que tout autant que ça n'a pas réglé, la transition a bloqué. Je dis en tant que président, il n'y a pas qu'à aller devant un juge d'instruction. Je dis ça fait le tourner diable. Il n'y a pas qu'à dormir. Va ga manger. Eh bien, selon information yo, yo demande remaniement ministériel lancé pour que yo te gagne contrôle ministère de la justice. Donc peut-être ces informations ça que Gary Conille te gagne qui il fait que la fait résistance avec monsieur yo. Eh bien, gagne audio que Emmanuel Vettier qui prend la rue que n'a pas vidéo tendez. Ministre justice là pas travail pour la présidence. Ça veut dire c'est ministre. Qui est ministre pam. Il y a une invitation, quand il y a une instruction, il y a une invitation. Moi, est-ce qu'on juge l'instruction bien? Ou qui est dans la difficulté, mes amis, à ce niveau? Même pas qu'à contre-temps. On est dans un conseil, et puis Vettiler, oui, Emmanuel. Oui. Moi, c'est au ministre, aller, côté commissaire. Elle dit, commissaire, dit, mais ça, la loi dit, classe dossier. C'est oui, classe, il y a une ordonnance de refus d'informer. Tout autant que dossier ne soit pas classé, transition, pas font pas. Parce que moi-même, comme si, ouais, ça, parce que c'est bien, diable. On va, comme si, parfois, pas à moun. Ça, c'est Emmanuel Vettiler, Zami Faminoyo. Déclaration que lui fait. Donc, on est que juge l'a invité Emmanuel Vettiler, il a invité, donc, à l'UGR Agile. Donc, trois messieurs, documenté pour que monsieur, il va y ont refusé d'informer, parce que il n'a pas qu'à instruire dossier ça. Et monsieur président Célio, vle, gagné ministère de la justice pour que yo blanchi dossier qui vraiment donc a bloqué transition. Eh bien dossier ça c'est lui-même qui provoqué chute Gary Conille dans tête primature là dans moment que n'a parlé là malgré position américain yo nous connaît que américain yo était vraiment remé Gary Conille. Nous voyons que vous demandez avec CARICOM pour le prendre en disposition donc pour créer le CPT. Donc, son baril que nous suivons parce que c'était vous-même avec CARICOM qui te mette ensemble pour que vous te bannez nous, conseil présidentiel que nous avons là. Donc, nous ne savons pas. Est-ce que le conseil lui-même va le faire un mois encore? Avec pression qui vient là, t'assemblée, pas gain route, pas bois, c'est non. Cour de cassation que n'a pas tourné. Ça a passé, pays en lui-même, il perdit plusieurs mois. Donc, monsieur a déjà passé 6 mois. Côté, il a touché en pile l'argent. Nous avons gagné Smith Augustin dans la déclaration que l'IT fait dans l'ULCC, il a fait quantité l'argent que l'a touché. Monsieur a gagné un paquet de l'argent dans le milieu, il a gagné l'argent de renseignement que il a boulé. Monsieur a fait pays en perdit. Paquet l'argent et au fait payer en perdit temps. Nan ba nou yon conseil que yon konnen ki pap mache, ki te yon blocage, yon essaye plusieurs fois, la bay résultat, et puis yon retourne avec encore. Yon moun ki te di, bay yon chance, parce que monsieur sa yon te nan tête payant, sa fait yon trentaine d'années, yon te participe nan krasel, peut-être yon ka repartisipe nan reconstruire. Eh bien, ouwe que neg yon vini refait tête yon santé économique, gan pil neg yon bat. Ah, il va tout rien. Ça fait plusieurs temps. Mais il y a une occasion pour faire tête. Yo. Et nous rappelons, l'ancien président Jovenel Moïse dit ça. À chaque fois que un président finit faire mandat,
toujours un petit groupe nèg qui t'a toujours aimé prendre font un petit coup de tout. Yo vini avec transition. C'est l'objectif yo, c'est faire élection. Yo a quelqu'un qui est devant en VPI hein, de ça qui a fait pendant transition. Mais c'est ça nous qui a fait là dans moment que on a parlé là. Pile nèg qui vient là qui vient faire tête en santé économique. Y a des gens qui nèg yo crasé l'agent renseignement. Il y a des quantités cob que nèg y a touché, yo mettez deux observateurs en dedans yon conseil présidentiel. Bon, qui ça qu'il y a observé? Par contre, qui ça qu'il y a observé en d'un conseil présidentiel? Donc, pour qui ça que? Il va peut-être ensemble. Nous gain un président, un premier ministre et puis tout nèg zayo. L'autre reste membre té ka premier té ka ministre. Chaque nèg té ka ministre et puis pour que yo té avancé avec transition. Mais amis famille nous yo situation li compliqué. Malheureusement c'est pays qui a payé ça hein? Malheureusement c'est Haïti qui a payé pour casser hein? Malheureusement c'est nous mêmes haïtiens qui dehors pays hein? Qui a payé pour casser ça hein? Parce que à chaque fois que Haïti a descend chaque crise yo, donc l'autre pays yo pas garder nous rien la dépression qui gagne aux États-Unis. En pays immigrant haïtien pour qui ça pour faire dans mon minute que n'a parlé là, est-ce que pour rester retendre qui ça que trop pral faire, est-ce que pour déplacer, donc est-ce que je suppose retourner la caillou, tu as bien aimé retourner à Haïti, mais malheureusement mais ça qu'a fait dans moment n'a parlé Haïti, n'a parlé là Haïti t'es déjà en crise, donc c'est crise sur crise. Si Gary Conny pas allé avec équipe lui, donc nous allons gagner deux premiers ministres, allons gagner bataille là. Peut-être Gary Conny va jouer un avantage, monsieur Goubarmio, parce que il a annoncé, Yannick mette résolution à deux, monsieur a annoncé que il va le frapper. Donc si il bloque pays, il apprend Gary Conny un gros service. Mais c'est dans l'état ça pays après. C'est dans l'état ça pays a yé, zami famye nou yo. Même qui à l'étranger, qui t'a remis tourner la caillou, c'est comme ça va gagner. Mais nous ka toujours dire si que Haïti li là toujours, nous même nous responsables parce que même Jean Sri Lanka fait li, même Jean Bangladesh fait peuple biti tête yo de yo. Et puis il y a le mettre moun qui pour diriger ouan. Donc Haïti il est supposé faire même bagarre dans tout gouvernement ça qui a tombé conseil présidentiel là qui a tombé mais qui est ce qui va le remplacer est-ce qu'il va le faire plus mal que ça que n'a vive là moi dis-moi ça que vous pensez dans un commentaire en bas vidéo si que vous appelez tombé sur channel ça pas oublier abonner pèser bouton de notification pour pas rater aucune vidéo nous salut tous amis nous qui est un peu partout dans le monde là qui toujours ba nous love là qui t'a moi-même après je me dans prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran. Ciao et à la prochaine.